brioche maison, rillette de canard et gibier. Vous avez également quelques pépites de citron, spaghetti potimarron. Vous avez une espuma à l'olive et noix, un jus mangue. Bonne dégustation. Pour commencer, de la banane qui était marinée en fait au citron et à l'huile d'olive. J'ai quelques fines tranches de coquille Saint-Jacques avec un petit peu de bergamote. Vous trouvez des barbes de Saint-Jacques en tempura. Également les champignons enoki. Ce sont des champignons qui viennent du Japon. Vous avez quelques champignons shiitake et un jus au shiitake. Voilà. Vous êtes sur du foie gras juste cru et assaisonné. Vous avez du lard colonnata, ce que vous voyez en blanc dans notre assiette, ça vient d'Italie. Vous avez également quelques dés de lard paysan revenu à la pleine char. La petite feuille verte que vous voyez, c'est de l'huître végétale. Il faut la mettre sur la langue et la laisser fondre. On en a fait également une crème glacée à l'huître végétale. Vous avez une râpée de châtaigne. Je me permets de vous verser sur le foie gras un bouillon châtaigne. Vous suivez avec le tataki de pigeon aux deux sésames et wasabi. Vous avez également la cuisse confite de pigeon, excusez-moi. Pour accompagner tout ça, on vous propose quelques cèpes et un vinis de maïs, une crème de maïs et un jus au sésame et pigeon. Alors vous poursuivez avec le fromage, à savoir un millefeuille de chocolat blanc et mousse de fond d'Ambert. Vous trouvez quelques feuilles de chou Bruxelles, les gouttes de vinaigre balsamique et une brunoise de cèpe à l'huile de truffe. Vous terminez donc votre chocolat mandarine. Donc avec la tuile mandarine, vous allez retrouver le chocolat noir mandarine. Et puis à l'intérieur, donc, le petit dôme, vous allez retrouver la passion. C'est très bonne dégustation. Thank you.